You know, I used to get beat for that quite a bit. Beat. Yes. Okay. En fait, comme dans beaucoup de familles à l'époque, il explique que son père avait une grosse chaîne stéréo avec une collection de disques. Il collectionnait les disques. Et la règle à la maison était de ne surtout pas entrer dans cette pièce, de ne jamais toucher au disque et de ne jamais toucher au centre système, à la stéréo, au stéréo. Et lui, dès que son père avait le dos tourné, bah, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une chaise, il ouvrait, il avait à peu près 7 ans. Il ouvrait la pièce, il rentrait dedans, puis il essayait d'ouvrir le placard où étaient les disques, et il disait, je me faisais taper pour ça régulièrement et à chaque fois. Please. And then, when I became teenager is when I started to do serious investigation, you know. But when I was a baby, I used to wonder, how does music come out of the black disc? Like, why does music come out of the black disc? So, my mother used to be a seamstress. She used to sew clothing. So I used to take her needles, and I would put a record on top of a pencil, turn it, and then put the needle inside, and I would feel the vibration in my fingers. And then I understood that, okay, there's music inside these little black tunnels. And then from there I learned, when I became a teenager, I went to school for electronics, and I started to learn about how an amplifier works and how speakers work and why it does what it does. And ça, c'est l'idée. Alors en fait, sa première expérience, il était gamin, sa mère, elle était couturière, et donc il comprenait pas comment cet objet noir là, ce disque, pouvait transmettre de la musique. Donc un jour, il a pris un stylo, il a pris une aiguille, et puis il a fait tourner le disque et il a posé le stylo sur l'aiguille, avec l'aiguille sur le disque, et il a senti les petites vibrations, c'est-à-dire les creux, les sillons qui sont dans le disque. Et ce jour-là, il a vraiment compris comment le son était fabriqué. Il s'est acheté un ampli, et ensuite il s'est retrouvé à l'âge d'adolescence, on va dire, à rentrer dans une école de technologie. Please. And then when I was a teenager, my father was always my inspiration, although he used to beat me so much. He was my inspiration to collect records. And then I had the pleasure of seeing a DJ by the name of Kool Herc was playing, right? And then from that point on, his style and the way that he played was what I called disarray in unison. It was kind of offbeat, off-timing, you know? So I used to watch the way DJs played, and I used to pick up the arm to go to a certain section, and I said to myself, there has to be a way to take this short drum break, because the records we collected at that time, the breaks were very short. There has to be a way of sort of taking that 10-second break and making it 10 minutes seamlessly. And it was when I decided to just take my hand and do something that DJs really hated, was to physically put my hand on the record and just stop it and control it. And if I had two copies of it, I could stop it and control it. But then I had to get something to keep the platter spinning, and that's when I came up with the slip mat. Alors, lui, la première fois, alors à l'époque, son inspiration première, c'était son père, même si, comme il le souligne, il prenait des raclées à cause de ça. Puis, à l'âge d'ado, il a eu la chance de rencontrer Kool Herc, de voir Kool Herc jouer dans ses parties, dont l'essentiel était de transmettre un bon moment. C'était surtout un esprit de fête. Et à l'époque, ce qu'il avait remarqué, c'était que aussi bien Kool Herc que les autres DJ prenaient le bras du disque, de la platine, et essayaient de trouver donc le fameux break, parce qu'à l'époque, quand ils collectionnaient les disques, c'était surtout pour avoir ce petit break de 10 secondes et le faire se répéter le plus longtemps possible. Et ils voyaient que c'était un petit peu bancal la façon dont Kool Herc le faisait, et ils se disaient qu'il doit certainement avoir une façon de rendre beaucoup plus fluide. Et c'est ce jour-là où il a un petit peu transgressé la règle universelle du DJ, c'est-à-dire faire un truc qu'aucun DJ ne faisait, poser sa main sur le disque et le faire revenir en arrière, chose qui était totalement interdite à l'époque. Ça abîmait les disques, et il s'est dit, de façon à ce que ce soit beaucoup plus fluide, il faut trouver une façon de pouvoir faire revenir le disque en arrière sans créer de dommages. Donc il a eu l'idée de la feutrine, le slip mat, le qu'on met en dessous le disque pour que ça revienne. Please. And then once I was able to come up with a way to make the vinyl slip, now I had to figure out a way of doing it without having to touch the tone arm. So what I did was I'd get a white crayon, and I would mark the circular area where the break lived, and then I would
put a line through the circle where the break started. So every time when the break was playing, every time it passed the tone arm, if it passed it four times, I knew for a fact I had to spin it back. One, two, three, four, check it. One, two, three, four, check it. It was there and I didn't have to pick up the tone arm. So now I could percussify it back and forth and spin it back and continue this break and take this little teeny piece of music, this 10 seconds, and make it 20 minutes, moving it and dragging it back and forth, you know. Alors, il explique qu'au début, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a repéré l'endroit où le break se trouvait sur le disque, et avec une encre blanche, un stylo blanc, il faisait un cercle, comme ça, sur le sillon où se trouvait le break, et ensuite, il le divisait en deux avec une ligne, ce qui lui permettait de voir, premièrement, le nombre de tours que faisait le disque. Donc si ça faisait 4 tours, il comptait dans sa tête. Quand il arrivait au 4e tour, il lâchait le disque et il revenait de 4 tours en arrière. Donc il avait ses repères qui étaient transversaux et il avait son repère blanc, ce qui lui permet directement, lorsqu'il sentait le disque, de poser le bras directement sur ce repère blanc circulaire qui lui permet de trouver le beat en lui-même. Et il pouvait passer de 10 secondes à, comme il l'explique, 10-20 minutes. And then after I figured that out, I called this the clock theory because I would mark it according to time. And then I would do drag backs and forth, and I called it Zucca. This was like to accentuate the beat. Many DJs at this time used to say very mean things, very disrespectful things, not nice things. Why is he doing that? It's ruining the record. And names. Names, not nice names, not nice names. And, it was just really good to know that all the bad names that they call me, I have a whole million army of people who are crazy just like me that do what I do. So it was wonderful. À l'époque, il a quand même, ça a suscité énormément de critiques de la part du monde des DJ, parce qu'il n'a pas inventé le monde des DJ. Les DJ existaient déjà à l'époque, des grands noms de DJ d'ailleurs. Et il s'est fait un petit peu insulter à l'époque parce qu'il avait complètement, voilà, transgressé la règle universelle. I want to know. Now we learned about the way you found what made you a grandmaster, right? The technique. But I know there's a place who made you also a grandmaster, right? Can you tell us about, because we always talk about, your technique, but we never talk about the disco fever, you know? And the disco fever, I read on the internet, and another friend of mine told me about this place that we never hear about in the hip-hop history, in the hip-hop culture. Can you tell us about the history of this place and what happened to this place? En fait, c'est un endroit où on parle souvent de Grandmaster Flash de par sa technique, de par ce qu'il a inventé, et également avec Melimel et les Furious Five, mais on parle rarement d'un endroit qui est quand même le temple et qui est quand même le laboratoire qui a expérimenté ces techniques à lui. C'est un endroit qui s'appelle le Disco Fever, qui était une boîte dans le Bronx, qui était tenue par la mafia italienne et qui a permis aux premiers DJ de venir expérimenter leur technique et jouer de la musique noire comme ils le faisaient. Can we go all the way back to the Disco Fever? Well, first of all, I mean, if we're going to go back, we have to go back to 72. This is like 9 years before Disco Fever. You know, we used to play in the parks, you know, out in the open air in the parks. And this was sort of like our testing area for new music. You know, myself, Kool Herc, Africa Bambaataa, you know, once I came up with this new science, every DJ had to learn this new way to play. So what I did was, I wanted to play at a club. So I went around to various clubs trying to find a night to play. You know, and the majority of the club said, no, you know, they heard about what I did and they said, no, thank you. You know, I used to try to go to the clubs and my DJ friends, I used to ask them, hey, let me get on for 5 minutes. They say, nah, you know, you might ruin something or I might get fired. You know, so it wasn't until there was this disco club that played disco music, which was, nah, not so cool, you know.